Voilà, c'était un mur en terre crue, donc en briques de terre extrudée, en BTE. C'est une brique qu'on a développée avec un briquetier au nord de Paris. Elle est faite à partir de déblais en fait, de chantier francilien. Les avantages de la terre crue sont nombreux, hein. La régulation d'humidité en fait, de la classe, c'est un très bon isolant acoustique. Il y a bien évidemment une qualité d'inertie assez importante, ça va récupérer la fraîcheur de la nuit. C'est un matériau qui est particulièrement intéressant d'un point de vue écologique et social. À la fois le matériau local recyclé, remis dans un cycle de la matière et puis en plus très faiblement carboné, ça n'a que des vertus quoi, d'un point de vue écologique. Puis d'un point de vue social, c'est un matériau qui est quand même très sain à mettre en œuvre. C'est pas un matériau qui va générer des maladies au bout de 10 ans ou au bout de 20 ans de pause, au contraire. Ce projet vient diversifier les ressources qui sont utilisées en fait par l'urbanisme et par l'aménagement. Et d'autre part, il vient aussi répondre à un autre enjeu énorme en région parisienne, c'est un meilleur recyclage, une meilleure valorisation des quantités astronomiques de déchets qu'on produit chaque année sur le territoire francilien. Pour mémoire, on produit à peu près 20 millions de tonnes de déchets du bâtiment, c'est à peu près 50% qui est valorisé. Et ce projet-là, il est très intéressant parce qu'il est dans une autre forme finalement de valorisation, une valorisation plus vertueuse, puisqu'il va non pas tirer profit des quantités de matière, mais plutôt des qualités du matériau terre quand il peut être mis en œuvre dans la construction. Thank you.